enfin, Richard, je ne peux pas vous laisser dire telle hérésie. Tous les professionnels du monde entier s'accordent à dire que Citizen Kane est le film le plus maîtrisé de tous les temps. Orson Welles, mon ami, Orson Welles. Mon cher Louis, je vous reconnais bien là. Citizen a beau être maîtrisé, ce film ne me fait pas rêver. Et le cinéma est avant tout une histoire de voyage. Mais mon cher petit Richard, c'est que vous n'avez rien compris. Vous devez au moins admettre que ce film a permis un bond en avant exceptionnel dans le monde de la réalisation. Dans le domaine de la maîtrise, certes. Mais la maîtrise, pour moi, est synonyme d'ennui. Et ce film n'a pas d'âme. Ce film n'a pas d'âme ? Non ? Ce film n'a pas d'âme. Eh bien, monsieur, je ne vous permets pas. Mais enfin, Louis, reprenez-vous. Petite catin superficielle. Je m'en vais vous châtier comme il se doit. Oh. Oh. Il a pas d'âme, hein. Allez. Orson Welles. Où êtes-vous, mon ami? Venez converser. Richard. Richard! Où êtes-vous, mon ami? Richard! Tous les professionnels du cinéma ne peuvent pas se tromper! Richard! C'est le film! Le meilleur film de tous les temps! Voilà.